Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les gourmets galactiques. Alors, on était en train de... Oh, arme du corps céleste. Oui, lune de combat. Ça, ça m'intéresse. 20 mois de recherche, ça va être un peu long, mais c'est beaucoup trop intéressant. Donc on va bientôt mettre fin à la guerre, je pense. Oh, nous avons d'étranges rapports. Touché par un éclair d'énergie intense. Modèle énigmatique, c'est pas difficile. Ah, mais oui, mais je me rappelle de ce truc. Que c'était bugué. Modèle énigmatique. Alors, c'était quoi ça déjà? D'accord. Projet indisponible. Ah non, mais ça c'est la convention scientifique. Ah mais c'était le truc de l'énergie noire ça. Il y a tellement de choses. J'ai trop de choses dans mon truc, je suis perdu, je sais plus ce que je suis en train de faire. On va quasiment terminer, il ne reste que 5 pop. Petite flotte militaire, très bien. Alors, toi tu dois fusionner avec ça. Ah ouais, mais il faut attendre qu'ils arrivent du coup. Ok, donc lui est encore en train de nous faire tous les débris qui sont dans le coin. Oui, l'astéroïde manufacturier, c'est effectivement... Yes, on a assez en plus. Sur les trucs de méga structure, on est à combien là? Ah, j'ai zéro matériau, je suis super tendu. Il va falloir que j'augmente ma production, je pense. On peut pas encore faire le titre. Ouais, on n'a pas assez de thunes et on n'a pas le chantier d'assemblage titanesque. Mais il est en train d'être fini. Oui, ça manque de... district urbain ici. Ah, ça c'est le secteur frontal. Il faut que je fasse un secteur en fait en bas là. J'ai pas encore des... Ah ouais, parce que lui, il a quand même ce système-là. Je pense qu'il faudrait qu'on en fasse un juste ici. Ça devrait couvrir toute cette zone proprement. On enlève la poste, ça ira mieux. Ok. Allez, 4 pop. 3 pop. Je connais quelques civilisations qui vont disparaître de la carte. Non, pas tout à fait disparaître. 2, ça y est. Ok, donc je pense que en termes d'occupation, on est bon. Ah, mais non, en fait, je devais occuper celui-là aussi. Ok, bah, c'est pas grave, on va le lui laisser. Oui, le jeu est en train de calculer. Voilà, merci. Ce qui est à toi est maintenant. Nous avons réussi à prendre le contrôle d'un autre empire. Leur vaste collection de ressources d'arcuterie et de reliques prêtes aux prises. Nice, plein de ressources supplémentaires. Alors attends, avant qu'on clique, on va vendre un max de ça. Ça me donne pas de... Non, ça me donne pas de bouffe. Donc on a fait disparaître Irvoran. Putain, encore.
26 000 d'énergie, ça c'est bon. 38 000 de minéraux, je sais pas si j'ai pas... Si, ça passerait. 7 000 encore d'alliage, nickel. Alors, héritage... Oh là là, ok. Nous acceptons pour l'instant. Nous avons... Ouais, on récupère leur trésor. Ok. Donc ouais, on a laissé un peu... Il y a 1, 2, 3 civilisations, basiquement, qui sont restées au final. Ok. Alors, il va falloir qu'on mette un peu en pause et qu'on nettoie un peu tout ça, je pense, parce que ça va être galère. Déjà, Sunblitz, tu peux aller... Ouais, alors, t'es mignon, toi, mais tu dégages. Toi aussi. Toi, je vais peut-être te laisser. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Désolé, mais c'est... Ouais, bon, ok, il y a un passage par ici, mais bon... Ouais, 57 sur 47, ça fait un peu beaucoup trop. Donc, on va en virer quelques-unes. Non, on va laisser... Ouais, on va laisser celle-là, je pense. On va juste lui mettre un peu plus de batterie de lance-missile. Avec un peu d'écoute. Je vais virer celle-là aussi. Pas un problème. Là, on va virer celle-là. Ici, j'en ai 100 fois trop. Ah ouais, c'est dommage, c'est effondré à alliage, mais... Ça me sert un peu à que dalle. Celle-là, je vais la laisser. Celle-là, on va l'enlever. Celle-là, on va la laisser. Celle-là, on va l'enlever. Là, il y a une porte L. On va peut-être vouloir la laisser. Quoi ce portail déjà? Ah, c'est juste un portail. On peut le réactiver, tiens. Vas-y, réactive-le. Ça, je vais le virer par contre. Ça aussi. Ok. Et... Ah, on avait aussi ces deux là-haut. On va virer celle-là. On va laisser celle-ci par contre. En plus, c'est une citadelle. On va lui mettre deux carrefours commerciaux quand même. Ok, donc c'est... Voilà, 43 sur 47, c'est bon. Alors ce qui m'embête, voyons voir. Toi, je vais te supprimer le secteur. Ok. Parce que si on peut le poser, genre là... On a ces deux-là qui sont à portée. 1, 2, 3, 4. Non, merde, on n'est pas à portée. C'est dommage. Si on se met là, on fait 1, 2, 3. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Parfait. Alors, si on devrait pouvoir foutre un secteur ici, du coup. Et avec un gouverneur qui est cette personne. Voilà, ça couvre bien toute cette région. Comme ça, je peux mettre un secteur ici. C'est pas un problème, au pire. Je le ferai plus tard, je pense. Ouais, on va avoir pas mal de gens qui ont... Et oui. On va faire de la relocalisation de population, je pense. J'atteins au secteur. D'ailleurs, Redempti. Non, non, il n'y a pas de dommage. Donc, le secteur RAL, c'est le nouveau qu'on vient de faire, je crois. On va en faire un secteur transformation. J'ai pas mal de réserves partagées. Bon, ça me dit pas ce qu'il y a comme réserve en particulier, mais... Ok. Donc Sunblitz, tu dois aller upgrader. Ok, tu vas venir ici. Ok, on peut effectivement peut-être avoir un chantier spatial par ici. Un petit peu plus puissant par contre. Avec une bonne chasseur de primes. On est déjà sur une citadelle, pourquoi il veut pas faire ça? Non, on est déjà une citadelle. Ah, mais non, il est en train de finir de l'améliorer en citadelle. D'accord. Ok. Donc ce secteur est sous management. On peut reconnecter effectivement les trucs qui étaient déconnectés. Ouais, carrément. Donc toi tu vas venir te connecter là. Toi tu viens te connecter là. Toi tu viens te connecter là. Toi tu viens te connecter là. Et toi tu viens te connecter là. Ça c'est bon. On va avoir par contre des problèmes de connexion ici. Mais on pourrait peut-être faire un portail en fait. Pour contourner le problème. Toi, tu vas te connecter là, plutôt, en fait.
Ouais, là le problème c'est ouais, on se prend beaucoup de piraterie. Peut-être mieux de dire à lui de venir se. Ouh non. Ah merde! Ah on fait tout le tour. Ah mais oui, on fait tout le tour. Ok. Ah oui, c'était The Vault ici. Pourquoi est-ce que j'avais pas fini l'exploration dans le coin, moi? Ok. On avait ce. Bah du coup on devrait pouvoir faire cet avant-poste là maintenant. Faudrait qu'on aille nettoyer les vaisseaux qui sont là. Enfin les. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais non, c'est du petit mining corp de rien du tout. On va envoyer. Alors déjà. Alors ouais, mais ils sont toujours pas. On va attendre qu'ils arrivent peut-être. Non. On va déplacer la flotte déjà jusqu'ici. Comme ça au moins elle sera déplacée. Où est-ce que t'en étais toi? Dans les. Alors ça on était en train de l'upgrader, mais on avait surtout lui là. Ouais, il a 67% de fabrication pour le truc, ok. Toi tu peux aller réparer. Toi je sais pas trop ce que tu vas faire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer je pense à se positionner pour attaquer lui ou lui. Mais dans ce cas-là ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est... Ouais, on va les laisser se déployer. Debris has been analyzed. Ok, confinement du silo Kugel Blitz. Go. Alors j'ai quand même encore 8 esclaves sur ce monde là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Alors sur Bochik... Si ouais, alors non je suis déjà à 10 administratifs sur Bochik. On est presque au maximum ici. On peut lui faire autre chose d'intéressant ou pas hein. On a des artistes ici. Oh la machine virale. Ouais, pour l'instant, on va laisser tel quel. On a un petit peu de criminalité, mais c'est parce qu'on n'a pas tous les agents de sécurité qui sont employés. Bon, les nécrophytes, quand ils vont s'upgrader, ça va faire du bien ici. Voyons voir. Sur Steel Ult, par exemple, on a. Alors tu peux peut-être arrêter ça. On a 6 cheptels, on manque vraiment de... Voyons voir, on a déjà... Oh oui. Un de ces fameux mondes antiques à nettoyer. Ok. Et donc c'était un monde métallurgique à la base. Il nous faut plus de pop. Donc je pense qu'on va lui upgrader ça. En premier. Si on veut avoir un peu des esclaves avec des emplois, c'est un peu la question. Je pense qu'on va lui mettre deux districts générateurs, histoire qu'il ait quelques emplois. Je vais les mettre en premier. On va lui donner aussi un complexe de formation d'esclaves et un symbole de pureté. Ok, j'ai le truc d'énergie qu'on lui a mis des centrales. Ouais, le réseau énergétique. Ça va déjà lui faire pas mal de taf là, mais je pense qu'on va lui transférer. Ouais, on va lui transférer 4 pop, basiquement. C'était sur Stealth Ult. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite sur Resh. Bah, sur Resh, on était déjà bien plein. Ok. J'essaie de regarder un peu les mondes. Ah d'ailleurs, je pense que vu qu'on est plein, on peut garder ça. Sur Mutraxas, on va faire à peu près la même chose, je pense, parce qu'on a pas mal de districts miniers ici. Yes, on a de la place. Tu vas nous rajouter. Non, on est déjà à 35, ça suffira. Donc on va les déplacer sur Mutraxas. Mutraxas. C'est là. Voilà. Après, et voilà. Donc là, on a tous ces mondes qui ne devraient pas rester capitale de l'Empire. Tu peux garder effectivement la cuve à clones. Alors j'ai qu'un seul ouvrier au chômage ici, ça c'est bon. Je vais réimplanter depuis la capitale je pense, oui. Job de dispatcher. Construction venture completed. Voyons voir. Est-ce qu'on peut. On a deux emplois. 39 ici. Oula, oui. Ok. Donc. Putain, mais j'ai aucun emploi de.
On va voir sur les mondes techniques un peu. Non, c'est pareil, j'ai quasiment aucun emploi de base en fait. Il faudrait quand même sur ce monde, parce que c'est un monde technique, il faudrait qu'il y ait des laboratoires de recherche, non? Ça pourrait être, je sais pas, moi, une idée. Déjà, on va y foutre une chambre d'élévation avec deux districts urbains de plus. Sur celui-là, on a un petit peu plus de place. On va lui mettre une chambre d'élévation. C'est des noms générés aléatoirement, les noms de flotte. Donc, complexe de formation des esclaves. Je crois que la chambre d'élévation, on peut pas encore. Ah, c'est parce qu'on était en choc des cultures. Oui, c'était un monde... combien de temps encore? 972 jours. Ok. Est-ce que j'avais... Ouais, j'avais juste un petit peu de mine. On va rajouter deux mines. Ah, il faut vraiment que je déplace ces pop. On peut pas les laisser comme ça. Ouais, mais là, par exemple, on n'a pas énormément d'emplacements disponibles. On va nettoyer tout ça déjà. Nail 2. Ah, c'est pareil, j'ai quasiment pas d'emploi de base pour les esclaves en fait. Alors ici on a... Ouais, on est déjà à 22. Et celui-là il peut upgrader je pense. On peut upgrader ça aussi. On peut aussi améliorer ça. Alors remarque, il y a le spatioport qu'on peut utiliser au pire. Les zones de chasse aussi. Je crois qu'elles peuvent disparaître, les zones de chasse, au bout d'un moment. Et après, il n'y a pas 36 millions d'emplacements sur ce monde d'un autre côté. Ok, on avait deux mines de métaux rares ici. Ouais, ici, il y a de la place. Et... on va plutôt nous remettre ça. On va finir ça et on va lui rajouter 1, 2, 3, 4 derrière. On va lui mettre... la centrale de purification des minéraux. Donc on va avoir... ouais, on peut déjà déplacer probablement une quinzaine de personnes sur ce monde. C'était quoi? C'était Kaelor, c'est ça? Ouais, c'est Kaelor. Donc réimplanter vers Kaelor. Kaelor, c'est où? C'est là. Bon, ce sera déjà pas mal. Ensuite... ouais, ce genre de monde serait une bonne idée aussi. On a un petit peu de mineurs de cristaux. Voyons voir. On peut lui mettre une petite chambre d'élévation, monument autochtone, une autre mine de cristal. On va lui rajouter deux districts urbains, deux districts miniers. Donc ça, c'est Araxin. Ah merde, c'était un... ok, c'était un Druchi direct. Pas grave. Sur celui-là. Donc sur Araxin, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas trop le nombre de jobs qui restent de disponibles. Bon, on va laisser 4 administratifs. Dès qu'on arrive dans les administratifs, je sais qu'on commence à toucher un peu, on va dire, le cœur du truc, quoi. Alors, sur Brumnuso, machin truc, là, on peut faire de l'upgrade de ça et de ça. On va probablement faire de l'upgrade de ça parce qu'on a... ah oui, on a beaucoup de place ici. On va rajouter 4 districts miniers. On va remplacer ça par 2 districts miniers supplémentaires. Et alors déjà ici, on peut upgrader ça. Et donc c'était Brumzon 4. C'est où déjà ce truc? D'accord, c'était ce monde-là. Ah oui, je me rappelle, c'était un monde qu'on avait conquis, ça aussi. Donc depuis Ral, ouais, vers Brumzon, machin truc, 4. On va la renommer d'ailleurs, cette... voilà, quelques administratifs en plus. Je vais la renommer parce que c'est pas vraiment un nom de généré à partir de mon truc, voilà. Haring. Très bien. Ensuite. Continuons. Sur ce monde, ouais, j'ai un peu d'emplacement disponible ici. Donc on va y déplacer un peu des pop. On avait déjà... ouais, ça c'est déjà en train d'enlever. Donc vers Azur. Azur. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de micro-management comme ça à faire, mais parce que le jeu va mal le faire de base. Ou alors ça va attendre trop longtemps, ça nous coûte juste de l'énergie, c'est pas un problème. Donc sur les tirs, on a 2 emplois de dispo, je vais les envoyer sur Azur aussi. Ah, et après on a des robots purgés.
Ça va être assez intéressant ça, parce que du coup le truc va probablement disparaître. Ok, donc ici on va avoir 7 ouvriers inemployés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement plutôt compenser en faisant... Ah, on est parc éolien. Un truc d'observation de la croûte, je sais plus trop si c'est de l'avancée ou du base. Les mineurs de cristaux, il y a... Ah putain, pourquoi tu fais des centrales? Non, tu m'enlèves les centrales. Mets-moi une chambre d'élévation à la place et... complète de formation d'esclaves. Ça, tu peux le laisser au pire. On va faire... piège à particules. Cuva clone, chambre d'élévation. Alors on avait une mine non sécurisée, alors ça c'est de la merde. Tu me fais un district minier standard à la place. On va en profiter pour essayer d'exploiter tout ça. On va exploiter ça. On va exploiter ça. Ça. Ok, donc ça, ça va pas être un monde urbain. Ça va être un monde générateur. Et si c'est un monde générateur, ça veut dire qu'on va lui donner un réseau énergétique. Voilà. Et comme ça, bon, on verra avec les emplois, ça devrait aller à terme. Ok, bon, on peut peut-être laisser pour le reste un peu, parce que c'est pas vraiment beaucoup d'emplois qui traînent. Et ils vont se... Ouais, bon, c'est l'anarchie ici, par contre. Ouais, il y a 8 pop, ça ferait un peu beaucoup, peut-être. On remarque que j'ai 2 districts miniers qui doivent arriver derrière encore. Beaucoup de criminalité par contre. Ah bah oui. Ah mais c'est parce que j'ai vraiment aucun. Alors ça va dépendre quand est-ce que les nécrophytes vont se terminer. Je pense qu'on va instaurer la loi martiale. Ouais, vas-y. Ah bah tiens, parlant du loup. Alors sur Idarae, nickel. 6 pop supplémentaires. Et du coup on se retrouve avec 6 nouveaux nécrophytes qui vont dans les boulots de nécrophytes. Parfait. Alors je vais faire comme ça parce qu'en fait je me dis, si j'ai 6 emplois de nécrophytes, il me faudrait 6 emplois d'esclaves derrière. Et là j'en ai pas en fait. Vas-y. Je sais pas si j'ai un spatioport. Ça me donne effectivement quelques emplois de soldats. Mais actuellement, ils sont tous occupés par nos Drucci, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Donnez-les à l'eau qu'au chômeur. Et on va renommer ça aussi. De trucs en cours, alors on va plutôt les mettre en priorité, ça, les trucs pour les emplois d'esclaves. Ok, peuple de titan, nickel. Alors habitabilité augmentée, on va vouloir, bon, on va booster la productivité et après ouais, production d'énergie. On peut avoir le réacteur niveau 7. Sphère design, une classe O, est-ce que je la veux maintenant? Ça pourrait être pas mal. Après, on avait aussi ce truc là, de translong tunnel studio. Mais le problème, c'est qu'on est à. Ouais, 50. Non, 50 mois, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc, on va devoir essayer plus tard. Vas-y, débloque-moi le réacteur de niveau 7. Une
radiation étrange. Ok, c'est chez quelqu'un d'autre ça. D'accord. Moi je suis d'accord, il y a trop de choix. On a plein de chercheurs sur ce monde. Découverte intéressante. Ah, sur Azure. Ah, attends, c'est un code... Non. Je pige pas. Je sais pas ce que ça a ajouté. Alors, le silo de confinement, il est en train d'être amélioré. Ok. On va vouloir, il va nous falloir, yes. On va faire un portail ici parce que c'est un de nos chantiers navals principaux. Ah, au fait. Vous deux, vous pouvez fusionner. Les children machin truc, ils peuvent aller réparer. Putain de merde. Oh! Pénible c'est de là, je vous jure. Ok, on a trois flottes ici, mais on a un bon paquet qui sont encore en cours de réparation, d'upgrade. De rien que ça, ouais, ça nous coûte pas mal d'alliage. Ouais, désolé Ogrimus, mais... J'ai les deux qui, depuis 10 minutes, arrêtent pas de se chamailler en arrière-plan et qui m'ont fait tomber quelque chose. Donc à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent leurs bêtises. Hein les chats ? Bande de coquins. Ouais. Calmez-vous un peu. Oh, les jouer dehors. C'est en train d'avancer les astéroïdes manufacturés. Debris has been analyzed. Alors, je pense que quand même dans ce système, on va en fait... déjà, on va renommer ça. Et on va créer un secteur, parce qu'en fait, si ça a besoin d'être un secteur à lui tout seul, ce système. On va le spécialiser. Vas-y, priorité à l'unité. Alors, je sais pas trop s'il faut leur envoyer un peu des ressources dans chacun pour voir, mais... Allez-y, quoi. Réglementation de l'expansion, non, on a dit qu'on n'en voulait pas. Construction venture completed. Je suis quelqu'un de très très calme la plupart du temps, sauf quand j'ai mes chats qui me tapent beaucoup sur les nerfs. Et qui font tomber des choses. Ah, 6 pop sur Hell's Kitchen, nickel. Donc là, on devrait avoir... Ouais, on a les trucs de recherche ici bien avancés. Je pense qu'on pourrait lui glisser un institut d'examen parce qu'on est à limite de 1 par monde. Et ouais, on a tous les jobs de scientifiques qui sont pris. Tu peux démolir en fait le bastion parce qu'on a le truc de complexe de fort Maginot. Ah remarque non, ça met juste un emploi de commandant ce truc. Putain, oui. Alors, Hell's Kitchen c'est bon. Traglec, 6 pop supplémentaires, ça fait plaisir. Alors, tu peux arrêter peut-être avec les soldats. Putain, mais elles sont allées dans quoi ces 6 pop ? Dans les trucs tout là-haut ? Putain, si c'est le cas, ça me fait un sacré bonus quand même. Ok. Ah, parce qu'on a encore 36% de criminalité ici quand même.
Alors sur Talitia, ouais, c'est gavé de gens ici. Ouais, on est en train d'upgrader la chambre d'élévation. Ok. On peut avoir un complexe de raffinage d'ici après. Effectivement. Mais normalement, au vu des constructions que j'ai... Non, pas sûr qu'on va avoir des jobs supplémentaires pour les esclaves ici. On va en réimplanter... Alors, est-ce que j'ai de la place du coup sur le kitchen? Bah oui. Ok, donc une pop sur Setoya. Alors ouais, le... l'IA m'a fait un peu n'importe quoi à nouveau ici. On a beaucoup d'emplacements de... On a beaucoup... Ouais. On a que 9 pop, remarque. Hein. On va en décaler un peu. C'est toyant. Ah bah je crois que tout le monde s'est déjà redéployé de ces mondes où il y avait de l'emploi disponible. Ok, donc une pop ici, une pop sur Arang, 6 sur Feinsenal. Donc ça c'est un peu plus intéressant. Mais où est-ce qu'elles vont ces pop? Elles sont toutes allées dans les politiciens plus surveillants. Ouais, ça doit être ça. Politicien, surveillant d'esclaves, agent de sécurité. T'as dû faire 3 et 3, je pense. Et les soldats aussi. D'accord, ouais. Donc ils remplissent ces trucs-là en priorité. Tiens, on va mettre... Vu qu'on a une forteresse ici, on va mettre le complexe de Fort Maginot. Ok. Donc ça, c'est bon. Sur Zulassa. On a beaucoup d'emplacements dispo sur Zulassa. Ok. On est surtout sur un monde générateur. Ok, donc mineur d'événements profonds et des gouvernants. D'accord. On pourrait diversifier un peu la planète. On n'a pas de bastion sur ce monde. On pourrait mettre un peu des trucs de recherche. On va lui mettre aussi un bastion et le complexe du Fort Maginot, tant qu'à faire. On peut mettre aussi le bouclier planétaire si on veut. Ok, donc ça c'est bon. Sur Joinum 1, il y a une seule pop. Alors du coup, ici on est ouais, beaucoup d'esclaves dispo. Clairement pas assez de techniciens plus évolués. Nimitz, calme-toi mon bébé, s'il te plaît. Tu es un peu pénible. On va upgrader ce bâtiment. Ok. Sur Belshannon, on est à sur 2. Alors, ouais, je vais démolir ça. Je suis vraiment pas fan de ce district. On n'a pas tant de mecs que ça ici, honnêtement, en termes d'esclaves. On va augmenter, je pense, parce que c'est du district agricole. On va en rajouter 4 de plus, des districts agricoles. Et on va lui donner le truc qui est bah, le monument autochtone, déjà. Et l'usine de traitement des denrées. Ok. Et comme ça, on va avoir pas mal de jobs disponibles pour les esclaves. D'ailleurs, je suis à 0 sur 10 ici, mais on va pouvoir transférer du monde. En plus, on a les gardes de jungle bioluminescente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrader ça derrière. D'ailleurs, je vais mettre en premier plutôt ça. Ok, donc Belshannon 2 pop. Une pop sur Nahil. On est à quoi ici? Ah, il n'y a pas beaucoup d'esclaves du tout. Donc on va rester à 1 là pour l'instant. Mais il va falloir que je lui transfère des esclaves. Et pour ça, on manque d'emploi d'esclaves en fait. On n'est pas sur un monde particulièrement extraordinaire. On a 3 centrales géothermiques. On va les mettre. Avec le truc de réseau. Et le symbole de pureté. Et un autre emplacement. Ok. Donc il faudra transférer des esclaves ici, il en manque. Et sur Resh. Ah, on est déjà en train d'améliorer la maison de l'apothéose ici, parce que oui. Là on a beaucoup d'esclaves sur ce monde. On va remplir les districts générateurs, je pense. Ou... Ouais, j'ai beaucoup d'emplois de métallurgie qui sont pas du tout dispo. Et en plus on a de la science. Oui, parce qu'on est sur le Resh. On peut... Non, on peut pas encore faire les restaurations. Ah, parce qu'il faut plus de districts, basiquement. Ouais, il faut remplir de districts urbains si on veut pour le faire. Non, mais je pense pas que je vais avoir envie de le faire. Après, ouais, c'est un truc de recherche. Enfin, je sais pas trop pourquoi j'ai mis ça, en fait. On va mettre une mine de cristal à la place.
Voilà. Ok. Alors, gisement de mine de minéraux épuisé, ok, ça a dû transférer sur l'autre, je pense. Pas sûr, remarque. Ok, bon, là-bas, c'est un monde manufacturier, mais... Personne qui manufacture. Ouais, ici, il faut upgrader. On est en train d'upgrader. On peut avoir le monde Maginot, ici aussi. Vu qu'on a une forteresse. Disrupteur phasé. Ok, alors ça, c'était le... l'analyse des débris. En analyse des débris, il a encore pas mal de taf. D'ailleurs, il va encore avoir du taf par ici après. Et par ici. Et ça me semble pas mal tout ça. Ok. Et alors, lui, il a terminé ça. Alors, on va l'envoyer jusqu'ici. Alors, ouais, tu peux peut-être faire effectivement un hyper relais ici. Ça sera fait. Et ensuite, on va avoir. Non, alors. Cette flotte, où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est en train de fusionner avec celle-là. Parfait. Ok, ça c'est plus qu'une seule flotte. On va l'améliorer. Et ce sera parfait. Ok, bon, on va... Ouais, je vais faire un break ici. On continuera au prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous.